Les mondes inconnus, c'est ce qui anime les chercheurs des laboratoires de Grenoble, notamment ceux de l'OSUG et du LPSC, c'est-à-dire ce qui leur traverse l'esprit et qui va faire que nous, après, on va pouvoir découvrir les mystères de l'univers. C'était aussi une façon d'aborder les sciences de l'univers, donc pourquoi est-ce qu'on fait ces recherches à Grenoble, valoriser aussi ceux qui les font et puis tenter d'expliquer mais à quoi ça sert. Les mondes inconnus, c'est également tout le côté, la connaissance intime de notre environnement, que ce soit les milieux géologiques, que ce soit la glace, que ce soit l'atmosphère, que ce soit les milieux alpins, pour comprendre le monde d'aujourd'hui et en prédire l'évolution. Alors, les mondes inconnus, c'est une exposition en trois parties, à la Casemate, au Muséum de Grenoble et sur le campus universitaire. Et dans la partie du muséum, on part à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Osugus pour résoudre différentes énigmes dans une mission spatiale. L'exposition de la Casemate, c'est un peu un module d'introduction à la thématique des sciences de l'univers. L'objectif, c'est de donner les prérequis, d'expliquer ce que c'est que le système solaire, où se trouve notre planète dans le système solaire. On est également dans une démarche expérimentale, donc là c'est la version 1 qui va ouvrir le 13 octobre, et puis l'exposition sera certainement amenée à évoluer en fonction aussi des retours que l'on va avoir des visiteurs. Ce qu'on attend, c'est qu'ils viennent, qu'ils apprécient, qu'ils posent des questions et qu'ils repartent aussi avec d'autres questions pour aller visiter donc l'expo du muséum et puis aussi le module sur le campus. Notre objectif est évidemment que cette exposition permette à chacun de se poser de vraies questions sur l'évolution de l'univers et de son environnement. Le message qu'on a tous voulu faire passer ensemble, les scientifiques comme les chargés de communication et les animateurs, c'est que la science c'est quelque chose de ludique et que l'univers reste encore un grand mystère à découvrir. Et pour autant, on vit sur la Terre aujourd'hui, on ne connaît pas encore très bien notre planète, et c'est le seul vaisseau que l'on ait aujourd'hui. Donc la connaître est une priorité pour notre survie.